Salut les gens, c'est Slan. On se retrouve sur Humankind avec le signe noir. Je vous lis tout de suite le lien dans la description pour voir les deux vues en même temps. N'hésitez pas, coucou le signe. Et coucou tout le monde, coucou Slan. Alors, qu'est-ce que tu as choisi? Écoute, après une grande réflexion, excuse-moi, je buvais un coup. Après une grande réflexion entre moi-même et moi-même, je pense que je vais partir sur les zoos. Les zoos et leur bonus de science sur les montagnes. Allez, Parce que zoo! mine de rien, j'ai quand même quelques montagnes sympathiques à aller chercher. Hop là. Et en plus, j'aime bien leur bonus de stabilité qui facilite quand même pas mal la vie. Et je laisse la petite cinématique pour les viewers de ma chaîne qui ne l'ont jamais vue. Très bien, moi j'ai fait une troupe de 3 là. Toi tu vas rejoindre 2-3 unités spéciales, 2-3 unités de base. Et je pars pour faire un petit ajout à ma ville à 32. 11-21, on appréciera. 32 d'industrie. 11-21. Ah ouais. 11 de bouffe, 21 d'industrie. Ah ouais, d'accord. C'est quoi déjà le bâtiment? On peut le voir, hein. T'as dit... Ah non, c'est vrai, on peut voir. Si, ceux de l'ère précédente. On peut voir ça. Il y avait un moyen, je crois. Je sais... Il y avait peut-être pas de moyen. Et alors. Je sais plus, tant pis. On est désynchronisé. Ah non. Mais oui, on est désynchronisé, mais pourquoi? Allez hop, on va mettre en pause l'enregistrement et on va recharger. Ok, bah j'enlève la pause de mon côté aussi. Et donc on est de retour, synchronisé et en pleine forme. Effectivement, il me restait juste un petit mouvement à faire. Par contre, on est jaune. Bah, statut de la synchronisation inconnu. Mais je peux bouger et ça a l'air de fonctionner. Parce que quand on était désynchro, je pouvais juste rien faire. Alors, il faut que je choisisse de transformer un avant-poste en ville, et je n'ai pas le choix, c'est forcément celui-là. Hop là, c'est parti. Alors, du coup... Voilà, ça c'est tout naze. Donc là, ce qu'on va faire, c'est direct un truc comme ça. C'est une histoire de synchronisation inconnue. Ouais, je suis d'accord, c'est un peu flippant. C'est faire une sauvegarde. Un petit peu flippant. Qu'est-ce qu'on a comme troupe? Il y a vous là. Il y a un truc à chercher ici. Donc vous, ce que vous allez faire... Vous pouvez réatterrir... Ici dans le tour. Donc on va récupérer cette pop là et la transformer en unité... Enfin en population directement, parce qu'on en a besoin. Hop là. Alors. Toc, c'est parti. Et toc, c'est parti. Voilà. On prend ça, on va booster ça, ensuite on va booster ça, voilà. Bon, j'ai hâte de savoir si on est synchro ou pas synchro. On verra à la fin du tour peut-être. Je pense aussi, ouais. 5 tours pour ça, c'est correct. C'est marrant parce que j'ai passé mon tour, mais tant que tu passes pas ton tour, je peux continuer à faire des mouvements. Bah moi je vois que t'as passé ton tour, hein. Je vois que t'es prêt. Je sais, mais j'ai lancé un mouvement il y a 2 secondes et il s'est très bien passé. Faut que je choisisse une science, pardon. On va commencer par ça, puis ça. 4,4, parce que pourquoi pas 4,4. Et après, on va aller chercher... On a des rivières, un peu de rivière, de la rivière, oui, on a de la rivière. Donc on va complètement aller chercher... L'irrigation, voilà, hop, c'est parti, et je passe, on va voir si ça se synchro. C'est bon, on est en synchronisé. Excellent. Alors, moi ce que je voudrais voir... Voilà, je suis beaucoup trop loin de mon territoire pour poser des villes, on est d'accord. Alors le orange a disparu, j'espère qu'il va rester assez loin maintenant, hein. Alors, quand même voir à pas trop faire chier le monde. Parfait. Donc on va peut-être revenir ici. On va explorer un peu cette zone. Ça a l'air d'être le bas ici. Je suis où moi? Ah, peut-être pas en fait. C'est peut-être pas le bas de la map. Ça monte pas, donc ça a pas beaucoup d'intérêt.
4 tours pour ça, on a des trucs intéressants. 4 d'industrie, hein. C'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Les quartiers d'industrie. Par contre, on pourra aller chercher ça. On va tout de suite le faire. Voilà. Et là par contre, ouais, on a un beau quartier à 11 de science à faire. Là. 11 de science. Ah oh. Avec c'est l'école confucéenne, ouais. Mon petit bâtiment spécial. Et ici normalement, il y aura moyen que ça soit intéressant aussi. 11 de science et 10 de stabilité, hein, ça se refuse pas. J'avoue. Alors, on va essayer d'aller explorer ce qui est derrière et qu'on n'a pas eu le temps de faire encore. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ça, on le défonce, ça sera fait. Voilà. Trois tours pour ça. Bon, par contre, niveau industrie, c'est franchement pas la teuf. Hein. Vive les Égyptiens. Ouais, on peut pas tout avoir. Hein. Clairement pas, non. Allez hop. Surtout que là, moi, soit j'avais une zone blindée d'industrie mais où il n'y avait pas de bouffe, soit j'avais une zone blindée de bouffe mais où il n'y avait pas d'industrie. Donc, à un moment, il faut choisir. Il vaut mieux prendre de la bouffe, ouais. Ouais, exactement. Allez, on va monter sur cette petite colline qui a l'air bien l'air d'être le bord de map. Hein. Ici, on va passer là-dedans, pas le choix. Faut que je fasse gaffe parce que du coup, je me régénère plus. Hein. Donc l'autre, il pourrait m'avoir à l'usure, même avec des unités de merde, si ça l'amusait. Ouais. On pourrait faire des chevaux. Euphonie. Deux de science par quartier scientifique, deux de stabilité. Deux de science par quartier scientifique. Et ça, c'est un quartier scientifique, ça. Intéressant. Non, on va faire ça d'abord. On va faire ça d'abord. Comme ça. En fait, je vais enlever celui-là. Ok. L'influence monte doucement, mais c'est pas dingue. Ça reste le meilleur endroit. Ok, c'est bien le bord de map ici. Très bien. Là, on a quoi ici? Et je vais piller le noir. 12-12. Pour lui détruire son avant-poste. Bah, pour l'instant, moi, j'ai pas revu de nouvelles du orange. Ah, si, je vois un petit bout d'orange là. Il a posé un avant-poste là-bas. Est-ce que ça vaudrait le coup d'aller le ralentir? Peut-être. Hein. Probablement, ouais. Je vais juste explorer cette case histoire de. Il y a de l'or ici. Si. De l'or! Ça va me prendre un tour parce qu'il y a une foutue rivière à traverser, mais c'est pas grave. Ça existe là ? Je comprends rien à ce qu'ils font eux. Oh que oui, maintenant, je le sais, ça existe. Oh non ! Les boulets, bon bah d'accord, on oublie le mode d'exploration automatique. Le mec il s'est mis entre deux cases, il fait des allers-retours. Ah merde. Pas très pratique, c'est sûr. Non, c'est pas très exploré du coup. Ok, ici une petite curiosité, un peu d'influence, parfait. Attends, qu'est-ce que. Pareil. Donc là, on va faire ça, et si ça, on va attendre avant. Voir, là, on peut faire un plus 13, et je pense qu'ici, ça va être encore mieux. On verra. On va attendre d'avoir terminé ce truc-là. Bon, pour l'instant, remarque, j'ai trouvé que le orange. Hein. Ah, et là, je vois du rose. C'est toi le rose, non? Non, moi, je suis pas rose. Non, toi, t'es plutôt ouais, turquoise, enfin magenta. Ça, c'est plutôt du rose. Ouais. Oh, il m'attaque. Hein. Je sais pas du tout pourquoi je le vois, mais je vois du rose. Dans le brouillard de guerre, quoi. Ben voilà, tu l'embrouilles. Je vois même pas de bord de pointillé rose, quoi. Bon, cette zone, il faut qu'on la prenne. De l'obsidienne, des pierres précieuses, de ressources inconnues, faut qu'on pose un avant-poste dessus, y a pas de débat.
On va y aller. Ouh, qu'il est bête. Je te permets pas. Pas toi. Ouais. Hein, le noir, il vient de m'attaquer. Et il s'est grave mis dans la rivière, quoi. De t'attaquer. Mais il est toujours pas passé l'air. Non. Non, mais... Ah, par contre, le orange a passé son air. Ça, c'est bon à savoir, ça. Et il a pris quoi? Eh ben, je sais pas, puisque je sais pas comment on peut voir. Puisque les cultures qu'on peut voir, c'est celles de la prochaine. Et que je sais pas voir les cultures de l'ère actuelle, en fait. Ce qui est un petit peu dommage, d'ailleurs. Ok, il vient de perdre une pop, le noir. En plus que Jupi son truc. Ah, il est pas sorti du sable, quoi. Non, il souffle, bah moi, en fait, en vrai. Finalement, le orange s'est mis hyper loin, donc du coup, j'aurais pas pu le travailler au corps comme tu l'as fait. Donc, Ah bah moi, il est loin, hein. Ouais, mais je veux dire, moi, tu vois, quand il m'a attaqué, il tournait autour de moi, autour d'une zone de montagne, là. Et là, en fait, il s'est foutu 3 ou 4 territoires plus haut, quoi. Ok, je vois. Donc, du coup, c'était pas jouable. Ok, on a débloqué ça. On a débloqué ça, c'est naze. On va pouvoir terminer ce truc-là, mais on n'a pas la thune. Est-ce qu'on pourrait pas choper un petit T-Vente sympa qui nous donnerait des sous? Non, de la science. Bah 42 sciences, hein, cela dit, on va pas s'en plaindre. Hop là. Le noir, ça lui pique les fesses. Eh ben, je veux bien te croire, ouais. Terre sacrée a été verrouillée par un autre empire. Les Égyptiens. Ah. C'est moi qui l'ai fait. Tiens donc. Au hasard, c'est moi. Mine de rien, il s'est posté assez proche de moi. Hein. Ok. On va explorer par là. Ouais, il y a peut-être moyen de se poser. Ah non, c'est dans l'autre zone ça. Ici on a quoi? 13 huîtres, 16 3. Putain, c'est nul. C'est tout naze. C'est tout naze de chez tout naze, quoi. 4-3, c'est bien comme ville, non? 4-3, ah ouais, ça donne envie. Oh là là, c'est à chier. 2 de nourriture et 12 d'industrie. Ouais, alors super, mais bon. Bah, c'est un avant-poste pas terrible, mais bon, si t'as que ça. Bah, mais en ça fait, peut c'est pas être une ville. C'est que je voulais prendre la, ouais, c'est que je voulais prendre la zone, mais du coup, ouais, elle est un peu. Ah bah, peu t'es pas obligé, quoi. Tu peux la prendre, mais ensuite ne pas l'ajouter à ta ville. Oui, et, ça peut rester un avant-poste. Tu peux utiliser de l'influence pour exploiter les ressources. C'est vrai, c'est vrai que ça peut. Ça peut rester un simple petit. Moi, il me ramène encore des troupes. C'est quoi ça? Il va finir par miser. Ah bah oui, on prend, ouais. La teinture. J'aimerais bien fonder là, moi. Plus 5 d'industrie par teinture, plus 4 de stabilité par teinture. Ah bah go, hein. Quoique celle-ci serait peut-être mieux. On exploite. Du coup, on va poser un avant-poste dans l'endroit où il y a le plus d'industrie possible. Ça, c'est pas mal. Oh, il y a 18 d'industrie ici. Dommage, c'est un bord de territoire, du coup je perds une case. D'après toi, est-ce que ça vaut le coup de prendre un 18 d'industrie et de perdre 2 de nourriture par rapport à un 17 d'industrie et 4 de nourriture? Alors 17, 4 ou 18, 2, c'est ça? Ouais. Enfin, 4, 17 ou 2, 18? Bah 4, 17 c'est mieux. Bah ouais, on est d'accord, ouais. On est d'accord. 4 c'est pas mal, ça te fait presque une pop de plus.
Niveau mouvement, il me restait une unité qui avait encore un mouvement, excuse-moi. J'avais pas vu. Ça y est, il vient de se fonder à côté de moi. À côté de toi en plus. Ouais, et il déclenche une bataille. La vache. Ah, le mec vénère quoi. Ah, moi je vais essayer de prendre un risque d'aller découvrir le orange. Mais c'est un risque. Hein. Voilà, ça y est, bah, il est juste là. Oh, putain, mais non, mais me dis pas qu'il m'attaque. Non, il m'attaque pas. Alors, les Babyloniens. Il est ouvert et confiant. What? Mais pourquoi tu m'as agressé comme ça? Alors, il est ouvert et confiant. 25% de moins au coût d'assimilation. Plus 2 de force de combat sur unité si c'est une armée louée. D'accord. Il est inclusif. Bah écoute, moi je veux bien commercer. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. On met fin à notre mésentente. On va voir s'il décide de m'attaquer comme un gros sac. Ok, là ça devient pas mal niveau production. Ça on a dit que c'était nul. Là on a des plus, ouais c'est pas ouf. Là ça devient bien ça. Ok, on passe le tour. C'est piquant, 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 il muse bien là. Mais j'ai détruit son avant-poste. T'es encore en train de taper sur le noir là? Ouais. J'aimerais bien Bon, Aijing va bien se développer, je pense. Pouvoir l'attaquer. Je pense qu'on va l'attaquer, ouais. J'ai perdu un peu d'influence. Ah mais oui, j'ai créé un avant-poste. J'ai perdu beaucoup d'influence, mais ça se voit presque pas en fait. Parfait. Go. Alors, est-ce qu'il m'attaque? Il m'attaque. Direct. Encore à 1 contre 2, quoi. Mais sérieusement. Bah on va la faire, hein. Ouais, on va la... Carrément, bien sûr qu'on va la faire. Il est tout seul, enfin... C'est évident qu'on va la quoi, faire. Quoi? Comment il a fait pour refonder, là? Par contre, le terrain est vraiment pas mon avantage. Hein. Donc on va se mettre là et on va grimper là le plus vite possible. L'enflure, il arrête pas de fonder partout où je veux. J'arrive pas à lui détruire ses trucs. Là, je peux attaquer. Oh là là. Il est plus fort que moi, même en rivière. Hein. Du coup, on va remonter là. Il y a une loi là à prendre là, pour la force de combat, je l'avais la prendre. Voilà, là il va être moi aussi mal. Ça me pique. Moi aussi ça me pique trop fort. Hop. Là il est sur une rivière et on est deux à être en forêt. Normalement il y a peut-être un moment où ça va aller quoi. Alors, par contre on a deux manches pour reprendre le drapeau. Ouais, ça devrait le faire normalement. Là, il est grave pénible. En même temps, dans deux tours, il va se convertir à ma culture et j'aurai un casus belli pour l'attaquer. Ah bah moi, il est carrément vénère, hein, le mec. Hein. On va retourner tranquillement près de chez nous, je crois. Plier ce truc-là en passant. Alors du coup, on a une crise. M'a attaqué. Payé 150. Paye-moi 150. C'est la guerre. Non, pour l'instant, on dirait qu'il laisse pourrir. Et mais alors clairement, le soutien de guerre, il explose. Hein. Et il est déjà à moins 8 par tour vu qu'on lui a mis une grosse défaite dans sa tronche. Ah, il a zéro pop dans sa ville quoi. Dans sa capitale. Ouais, en même temps moi j'en ai 3 dans la mienne, je vais pas faire mon...
Bah non, mais je veux bien, mais enfin, c'est pas pour faire le malin, mais quand t'as zéro pop dans ta capitale, t'attaques pas la moitié de la planète, quoi. Oh, c'est l'IA en mode empire, il va créer des troupes quand même, t'inquiète. Ouais, je sais, c'est vrai. Elles vont surgir de néant. Allez, on va faire ça, on va faire ça. Là-bas, on fera ça. Hop, c'est parti. On commence à construire comme un porc. Là, on a 5 de nourriture par chevaux. Ouais, c'est pas fondamental, hein. Alors, on a un 13-8 à aller chercher là-bas. Ouais. C'est pas mal. Bon, cette unité-là, faut qu'elle se replie parce que on se guérit plus maintenant quand on n'est pas chez nous. Ah, on est séparés de chez nous par une rivière, quoi. Cette tristesse. Un industrie sur forêt, il y a beaucoup de forêt là. Continue à m'attaquer. Ah, c'est le bord de map ça, j'avais pas fait gaffe. 12-12, hein, c'est pas mal comme coin ça, hein, 12-12. Bon, par contre, on serait collé au orange si on fait ça, alors c'est peut-être pas forcément très très pacifique. D'un autre côté, il m'a pas l'air particulièrement pacifique. Hein. Donc, on va peut-être faire ça quand même. Il continue à m'attaquer et ce coup-ci il me défonce. Bah merde, comment ça se fait? Et bah à l'usure en fait, à force. Hein. Alors, ça fait 5 de thunes à chaque fois qu'on bute un cerf, hein. Toujours 7 prix. Il va m'avoir défoncé toute ma troupe. On a bientôt 4 techs. Ouais, enfin, bientôt, non. Pas tout à fait. On va peut-être travailler là-dessus. Ok, c'est Alt pour rajouter une tech devant les autres. Parfait. Là, on va tranquillement faire ça. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on passe. Ok, il m'a tué 3 pop. 3 pop ou 3 unités comme ça, lambda? 3 unités parce qu'à force de m'harceler, moi j'ai pas eu le temps d'aller régénérer et du coup il arrive et j'étais en direction pour aller me régénérer, hein, donc il s'en sort bien. Il s'en Ouais, sort j'avoue. bien, mais c'est temporaire. Je vais lui faire la peau à ce con. Oui, très clair, j'ai tout mis dans la science pour avoir les guerriers et les archers là bientôt. Ben moi, je vais la jouer apaisement en posant mon avant-poste collé à lui. Voilà. En même temps, il se Pas développe hein, vraiment parce que apaisé ça. sa capitale est là, il a ce territoire-là collé à moi, ce territoire-là collé à moi. On va dire qu'il joue pas l'apaisement non plus, hein. Faut dire ce qui est. Ce serait bien un petit guerrier, non? Non? Moi, je trouverais ça bien, moi. On a un 13-8 ici. C'est pas mal, 13-8. Non! C'est un peu de la merde, ce territoire, cela dit, mais... Bon bah c'est mort. Qu'est-ce qui Il se passe? fallait replier. Je pensais qu'il m'attaquait avec le même, il m'attaquait avec un autre. Ah! Il a Oui, même tué mon guerrier. t'as dépouillé? Ah ouais. Avec deux troupes de base, il m'a dépouillé quatre troupes, dont un guerrier. Ah putain! Ah oui! La vache quoi, un peu vénère. Ok, le tour est passé. On va aller faire un tour par ici. On va aller voir un peu par là, là. Et c'est pas vrai qu'il recommence. Mais t'as encore des trucs à défoncer? Ouais, j'en ai encore 3 ailleurs. Hein, et il vient de les chercher. Allez, nous on claque de l'influence, on grossit là. Faut qu'on prenne toute cette zone.
Bon, cette zone-là est peut-être pour l'instant passable. On va Vous savez remonter quoi? au nord. On va fuir. Allez, faut qu'on On va termine aller cette là-bas. école confucéenne là. Ça nous Et fera un puis on va petit aller creuser les boost trous. de science pas dégueulasse. Je suis déjà en train de convertir en zoo. Ah la vache, le mec, il a un territoire. Je suis en train de le convertir en zoo, je regarde, et il y a un autre empire qui est à 33%. Lui-même, il a rien, quoi. Oh, il a cédé sur l'exigence, il m'a filé 152 thunes. Merci. Moi, je réclame 300. Bah, moi, c'était 150, là. Pourtant, on est censé être parenté et tout, quoi. On est censé être potes, il est esthète aussi, enfin. Ah, c'est empire, hein. Et puis, il y a sa personnalité aussi qui compte. Ah, et quand. Bah, il est ouvert et confiant. Et inclusif. Ça n'empêche pas de me défoncer le plus qu'il peut, quoi. C'est de l'amour. C'est un peu ça, ouais. Ah, ici il y a un truc à chercher, parfait. Alors l'autre unité, elle a pas encore. Elle vient de fonder son avant-poste, mais elle a pas fini encore. Ouais, on va remonter tout là-haut. Stop, là. Voilà, un petit peu de thune. Alors là, je peux peut-être payer mon truc. Non, je peux même pas payer mon truc. Je peux peut-être payer un truc comme ça. Non. C'est trop cher, c'est trop cher. Il me manque 3 de thunes. Ah, mais je suis con! Mais non. Ah, si! Bah écoute, alors tu es con. À un tour de pouvoir faire les archers, j'ai activé le boost qui de production. Mais du coup, j'ai plus de recherche. Quoi? Pour 5 tours. Bah au moins tu vas fabriquer des pas archers du coup. Bah ouais, c'est ça, ouais. Ouais, première étoile. Je suis pas trop en retard au score, je suis content là pour une fois. Babylone a 2 pops dans sa ville. Et ça, j'aimerais bien le transformer en ville en fait. Ouais, c'est un peu proche peut-être. Mais d'un autre côté, niveau développement, ou alors il faudra que je pose un truc ici. Il faudrait 150 d'influence. Rien que ça quoi. Pourquoi j'ai fait ça? Ouais, ça franchement c'est pas fou quoi. Alors on va payer ça, bim, voilà, on a un petit boost de science là. On fait 26 de science par tour maintenant. Oh non, il se fait convertir par le jaune. Convertir scientifiquement ou... Il se fait convertir par le jaune. C'est-à-dire un autre empire qui serait caché juste derrière. Oui, mais scientifiquement ou scientifiquement, culturellement ou Ouais. Religieusement. La religion, c'est moi pour l'instant. Ah, bien joué. Mais le jaune n'est pas loin. Ok, donc il faut que je fasse une ville ici. Bah moi, ah oui, non, effectivement, j'avais pas vu, mais c'est pas le orange là, c'est le marron. Je suis collé au orange et au marron. Ma bonne chance. Tout ça présage du fun. Et du coup, je suis écrasé sur la mer, ce qui veut dire qu'il va effectivement falloir que là, on s'étende par ici à fond. Il va falloir saigner. À fond, à fond, à fond, à fond par et ici. Et faire saigner. Bah déjà, je devrais pas tarder à voir un casus belli pour lui demander une province là. Ah non, ça y est, il s'est un peu énervé. Les Babyloniens sont en train de se faire plaisir. Très bien. Moi, il me faut les 240. Alors, il nous faut 150 si on veut faire ça. Ici, ça ressemble à quoi? Il n'y a pas de rivière. Ça, c'est de la montagne. On pourrait se poser à... Ouais, c'est un peu à chier quand même, hein. C'est hyper escarpé cette zone, quoi. Il n'y a pas un endroit. Je pourrais pas, peut-être même, ça serait peut-être ici mieux en fait. Un truc d'industrie là, bim, un truc de confucéen là, ouais.
Il nous faut 150 d'influence, les gars. On se bouge le fion. Ah, parfait, là, il y a un truc, là. On va le prendre. Et nous, on va s'arrêter là. Vas-y, fais l'outro. Eh ben, on vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Puis à tout de suite pour la suite. Je vous invite à aller voir la vue du signe en lien dans la description. À plus le signe. À plus tout le monde. Merci de nous avoir regardés.